Il vient de tomber. Les marins, nous allons évidemment les rencontrer. Je vous raconter encore une fois. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'était presque la seule vraie étape de Figaro avec tout le monde en paquet. Changement de leader, rebondissement qu'on a eu de toute la solitaire. Et voilà, j'avais à cœur de vraiment bien la faire pour voilà, prouver que je la méritais aussi. Donc là, je pense que c'est plutôt cool. Je crois que j'allais faire podium. J'ai pas vu Corentin sortir sous mon génois à la fin. Mais ouais, énorme quoi, énorme. Je suis hyper ému et à la fois je sais même pas trop quoi dire parce que je pense que jamais j'avais rêvé d'en gagner deux et là c'est fait et puis ouais voilà, puis j'ai envie de dire pas n'importe quelle édition en plus quoi, donc c'est génial. Ouais, c'est sensationnel. Il y a deux mois je me demandais encore comment j'allais la faire et il y a six mois je savais pas trop ce que j'allais faire après la route du Rhum et là en fait en sept mois j'enchaîne deux super victoires et c'est fantastique quoi. C'est un beau travail d'équipe avec tous ceux qui m'ont entouré là et je suis vraiment content pour tout le monde. Enfin, l'étape était super longue là, très éprouvante. Bah, hier soir j'étais à deux doigts de passer en tête et en fait je me suis endormi pendant une demi-heure et j'ai fait 30 degrés de la route. Donc là j'ai vite régressé parce qu'on était tellement serré que les moindres mètres perdus coûtaient cher. Alors, on le voit, hein, ça arrive. À la queue le derrière, donc voilà, une belle étape, ouais, bien serrée jusqu'au bout, et je crois que c'est la nouvelle philosophie de Francis Le Goff. Mais au final, c'est pas mal, c'est une épreuve super dure, et il faut que ça le reste, hein. Je pense que si on s'arrache pas pour la gagner, ça sera pas pareil, et là, c'était vraiment une belle édition qu'il nous a offert. Ouais, je t'avoue, quand je suis parti à l'île de Wight avec Rico l'autre soir, je me suis quand même dit, là, t'as tout mis dans la balance parce que ça, si ça se trouve tu te prends deux heures sur ce coup là et puis c'est fini quoi. Et puis à la fois je me disais ouais mais bon putain, j'ai envie de naviguer comme j'ai envie de naviguer quoi, j'ai envie de faire mes coups et voilà, donc en plus bon ça a fonctionné donc c'était top mais ouais